En fait, quand on travaille avec des blocs séparés dans InDesign, et non pas un texte en flux continu, mais ici on travaille avec des blocs séparés, eh bien, on a parfois ce genre de choses qui arrivent quand les blocs n'ont pas été créés dans le bon ordre. Donc je pense que en faisant ceci, ça va régler le problème. Vous êtes sur la page 22, vous allez activer le bloc de gauche avec la flèche noire. Vous allez activer également le bloc de droite avec la flèche noire et la touche majuscule. Donc vous avez activé les deux blocs. Vous allez faire un command X pour couper et envoyer dans le presse-papier. Je vous renvoie à vos cours d'informatique si vous ne savez pas ce que c'est le presse-papier. Sait-on jamais. Command X. Édition coupée, quoi. On va les recoller exactement au même endroit. Vous allez faire édition, coller sur place. Parce que si vous faites coller comme ceci, regardez ce qui se passe, coller, ben il se colle au milieu de la fenêtre. C'est pas bon. Donc édition, coller, tout simplement, ça ne va pas. Il faut faire édition, coller sur place. Comme ça, ils vont aller là où ils étaient quand on les a coupés. Édition, coller sur place. Et normalement, votre numérotation est maintenant correcte. D'accord? Donc, à la place de 4.5, 4.6, on a 5.1, 5.2. C'est exactement ce qu'il nous fallait. Donc, le problème est réglé.